Hello, hello, je suis de retour. Ah, après une bonne journée de sport, je suis de retour. Et là, tout est capoté. Le stock market est en baisse. On ne sait vraiment pourquoi. I guess, je pense que peut-être les gars ont un peu peur. Mais c'est tout pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, le stock market va remonter. C'est juste une question de temps, n'ayez pas peur. C'est toujours comme ça, tu vois. Les gens s'effraient pour rien. Le stock market tombe toujours, mais finit toujours par se relever. Voilà. C'est vrai que l'argent, c'est important, mais le sport aussi, c'est très important. Voilà, il ne faudrait pas oublier d'aller en salle de gym. Hein? Faire plaisir à son corps, c'est très important. Avoir des muscles. Sachez que si ça sert à séduire les femmes, c'est très très important. Juste pour rigoler. Voilà. Là, je viens de la salle de sport comme ça. C'était très 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 bon. Voilà. Concernant le stock market actuellement, bof. Ce qui pourrait marcher, on pourrait dire que, à part les stocks que je vous ai donnés la semaine passée, j'espère que vous avez regardé la vidéo de la semaine passée. Vous avez regardé, j'ai parlé plutôt d'investir dans des stocks tels que Google, Apple, Microsoft, c'est-à-dire que les compagnies américaines les plus sûres, quoi. Voilà, vous êtes sûr que votre argent n'est pas perdu. Ça sert à rien de mettre son argent dans un saving account, c'est vraiment stupide. Excusez-moi, hein. Je faisais ça avant. Ça sert à rien de mettre son argent dans un saving account parce que chaque jour qui passe, il y a l'inflation et l'inflation vous fait perdre votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'argent que vous mettez dans votre saving account perd de la valeur. C'est-à-dire que ce que vous pouvez payer aujourd'hui, avec cet argent, vous ne pouvez pas le payer demain. Non plus l'année prochaine et non plus dans les 10 années prochaines. Donc, dans les 10 années à venir, donc il faudrait plutôt investir votre argent en bourse. Pour que l'argent puisse travailler et rapporter un peu d'argent. Voilà comment ça se passe. C'est ça le game, hein, les gars. Il faut investir. Ça sert à rien de mettre l'argent dans un saving account qui perd de la valeur. Je dis ça pour les jeunes, mais aussi pour les plus âgés. Il vaudrait mieux investir en bourse. Ou si vous ne voulez pas investir en bourse, investir au moins dans l'immobilier ou dans une société. C'est mieux que de garder son argent comme ça. Ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Ça perd de la valeur chaque année. Arrêtez de garder votre argent en banque. En banque. Please. Ah, j'en ai parfois marre de dire ça aux gens. Ça ne sert à rien de garder de l'argent en banque. Ça perd de la valeur. Voilà. Bon. Ayant dit ceci, maintenant, il faut vraiment, vraiment, vraiment prêtez attention aux stocks qui sont à venir. Et les stocks à venir actuellement, les stocks d'avenir et qui vont venir, on pourrait parler de stocks ayant trait à la bioscience, c'est-à-dire tout ce qui parle de thérapie, de gènes. Très bon. Actuellement, ces stocks ne sont pas très, très élevés. Vous pouvez faire des recherches sur Google et chercher. Surtout, même si je vous donne des stocks, je ne suis pas un conseiller financier. Je répète, je ne suis pas un conseiller financier. Il faudra aller faire des recherches pour voir, avoir vos informations afin d'être des investisseurs informés et avertis. Même si je vous donne des conseils, il faudrait aller faire des recherches. Il faudrait s'informer quand même, c'est très important dans ce monde. L'information, c'est de l'or. L'information vous fera devenir milliardaire demain. C'est très important. Informez-vous. Les gens disent même que si tu veux cacher quelque chose, excusez-moi, si tu veux cacher quelque chose à un noir, il suffit de le mettre dans un livre. Voilà, bon, c'est un peu raciste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, renseignez-vous. Renseignez-vous, les stocks de thérapie de gènes, ça vient dans le futur. On pourra même changer des gènes. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes malade et que vous avez un gène qui est malade,
on pourrait vous traiter dès la naissance pour que, par exemple, si vous êtes enclin à avoir un cancer ou à avoir une maladie de gène, vous ne puissiez pas l'avoir. Voilà. Mais c'est aussi très dangereux, puisque dans le futur, il pourrait s'avérer que vous puissiez avoir, on pourrait changer vos gènes pour que vous tous soyez très bêtes, excusez-moi, ou très stupides. Donc il faudrait faire très attention à ce genre de gènes. Voilà. Il faudrait faire très attention à ce genre de gènes-là en général. Il faudrait faire très attention à ce genre de gènes-là. Excusez-moi, je conduis, mais vraiment, il faudrait que je vous donne des conseils. Voilà quoi. Donc, il faudrait faire très attention à ce genre de gènes. À ce genre de choses plutôt. Voilà. Il y a les stocks aussi, de, comme je dis, des chips qui sont très importants. Tout ce qui est attrait aux microprocesseurs, il n'y en a pas beaucoup de sociétés qui travaillent dessus. Donc, c'est important actuellement. Leurs stocks ne sont pas trop élevés. Si c'est trop élevé, c'est 100$. Voilà. Il y a Taiwan Semiconductor. Ça, c'est une compagnie. Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor. C'est une société de chips, c'est-à-dire de microprocesseurs. Ils sont à Taiwan. D'ailleurs, c'est un pays que la Chine veut envahir à cause du fait qu'ils produisent 60% des microprocesseurs dans toutes les machines du monde. La Chine a investi des milliards et des milliards pour pouvoir avoir accès à ces stocks-là. Ils n'ont pas pu aider à ces stocks. Ils ont investi beaucoup d'argent pour que leur technologie dans le domaine des microprocesseurs puisse arriver au niveau des États-Unis et de Taïwan. Ils n'ont pas pu. Donc actuellement, ils ont en tête de vouloir envahir Taïwan parce que ça les arrangerait. Un, ils retrouveraient un territoire. Deux, ils pourraient avoir de la nouvelle connaissance puisqu'ils n'ont pas cette connaissance ni technologie au niveau de microprocesseurs. Ils veulent acquérir ça pour l'instant aussi. Pour l'instant, ils ne font qu'acheter tout ce dont ils ont besoin auprès de Taiwan Semiconductor. J'ai une société. Ah, le stock de Taiwan est aux environs de 100 et quelques. Toujours abordable pour payer. Il y a Skywater Technology. Ça, c'est un stock dans lequel j'ai investi pour être véridique. Je l'ai acheté quand il était à 15. Actuellement, il est aux environs de 25-30. Il tourne. Donc, j'ai vraiment fait de l'argent sur ce stock. Je vais pas mentir, j'ai vraiment fait de l'argent sur ce stock. J'ai vraiment fait de l'argent. Skywater Technology, c'est une compagnie américaine dans le domaine des microprocesseurs. Très bonne compagnie. Voilà. Et une histoire sur ce stock. Quand j'ai acheté Skywater, il était à 15. Et pourquoi il était à 15? Il était d'abord à 30. Comme je répète toujours aux gens, ne jamais paniquer dans le stock market. Il était à 30. Cette compagnie est entrée dans le stock market. Ils sont montés jusqu'à 30. Et les gens ont paniqué. Parce que quand cette compagnie a fait son IPO, c'est-à-dire son entrée en bourse, ils ont pu avoir de l'argent. C'est-à-dire que quand tu vends des actions, une compagnie vend des actions, récupère de l'argent. Et quand elle récupère de l'argent, souvent elle prend cet argent, elle peut garder cet argent pour des investissements futurs. Mais ils ont décidé de prendre cet argent et d'investir immédiatement pour acquérir de nouveaux buildings et de nouveaux matériels. Les gens ont paniqué, ils ont vu ça comme une dette et quelque chose qui ne leur bénéficierait pas à la compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde a commencé à vendre ce stock et ce stock là est passé de 30 à 15. Donc imaginez ce que j'ai fait. Imaginez ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'on dit de se renseigner. Et en ce moment, j'étais très 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 renseigné dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tout simplement, j'ai bondi sur ces stocks. Je suis allé, j'ai acheté quand c'était à 15. Et à un moment, c'était monté même jusqu'à 34. Croyez-moi que j'ai doublé, plus que doublé mon argent. Donc vous voyez que parfois quand un stock tombe, c'est le moment de bondir dessus. Et ça, c'est une des techniques que je fais. Mais avant de bondir sur un stock, je me renseigne pour savoir
si ce stock-là a de la valeur. Voilà comment je m'y prends en général. Ça, c'est ma technique à moi. Donc, première leçon, ne jamais paniquer dans le stock market. Ne jamais paniquer dans le stock market. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans le stock market. N'ayez pas peur du stock market. En France, en Afrique, partout où vous êtes, les francophones, n'ayez pas peur du stock market. Les gens se font des milliards dedans. Vous dormez, réveillez-vous. En Côte d'Ivoire, réveillez-vous. En Afrique, je sais qu'aussi il y a des banques dans lesquelles vous ouvrez un compte et commencez à acheter des stocks. Réveillez-vous. Excusez-moi, mais n'investissez pas dans la BRVM ou dans les bourses africaines. Vraiment, c'est du gros n'importe quoi, quoi. Ça, je vous dis, c'est du gros n'importe quoi. Du gros et gros n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire là-bas, quoi. Dans les bourses africaines. Bourse de France, peut-être. Les compagnies françaises, voilà, peut-être européennes, peut-être. Voilà. Mais aux States, les compagnies américaines, pensez-y. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Je suis là. Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez faire d'argent avec les conseils que je vous donne. Pensez-y. Regardez la vidéo. Checkez. Si vous avez des questions, posez-les moi. J'y répondrai. Ok? Voilà, comme ça, je vous dis à demain. Donc, j'attends vos questions. Bye!